Depuis le 28 novembre et durant 10 jours, la 27e brigade d'infanterie de montagne s'entraîne dans la région de Valloire. Pour près de 1700 hommes, l'exercice annuel CERS est un entraînement interarmes au combat et au tir en montagne, une des spécificités de la brigade alpine. Le général d'armée Rachmadou, chef d'état-major de l'armée de terre en visite lors de cet exercice, témoigne de la nécessité d'un tel entraînement. Le général commandant la brigade, qui sait pertinemment que les opérations se conduisent avec une combinaison étroite des différentes armes, des différentes spécialités, bien reproduit ici, dans un exercice d'entraînement, cette complexité, mais aussi cette efficacité de l'action simultanée de toutes les spécialités de la brigade. Un des objectifs de l'exercice est la maîtrise des techniques d'état-major au niveau des postes de commandement. La manœuvre à tir réel devient possible à l'échelon du SGTIA, le sous-groupement tactique interarmes. Sur le terrain, à une altitude de plus de 2000 mètres, sapeurs, transmetteurs, chasseurs, cavaliers et artilleurs bénéficient d'un scénario réaliste. Au lever du jour, on a pris le village, sécurisé la zone, et ensuite on a signalé des personnels derrière le village, donc on est monté jusqu'ici, puis on a tiré sur les personnels qui sont dans la vallée. L'exercice CERS met en avant les savoir-faire de la brigade, lui permettant de s'adapter ainsi à la réalité des engagements actuels de la France.